Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. A transmissão de l'Institut Vie pour Tous, tema geral, la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Nous sommes dans les épîtres de Pierre, message 18, Marie et femme, héritiers de la même grâce de vie. Lecture biblique, 1 Pierre 3, au chapitre 1 jusqu'à 12. Nous sommes dans le contexte d'où l'apôtre Pierre il nous a révélé que tous nous avons changé brusquement nos vies quand nous avons reçu la semence incorruptible. C'est quand nous avons été régénérés, quand nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons gagné une nouvelle vie, et cette nouvelle vie, c'est la semence elle-même de Dieu, la semence divine qui a été plantée dans nos cœurs. Et j'ai parlé plusieurs fois que le cœur de l'homme, c'est la terre qui est fertile afin de recevoir la semence divine et que cette semence puisse grandir et fructifier. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie et d'où le comportement chrétien est fait par le moyen et au travers des règles. Mais une fois que tu as cru au Seigneur Jésus, il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient avant. Alors, ils prennent la Bible comme un livre d'instruction, de règles, de conduite pour leur vie. Un livre qui te montre comment il faut conduire ta vie dorénavant. Mais l'apôtre Pierre, il dit clairement que ce n'est pas seulement un changement de comportement au travers des enseignements ou des enseignements bibliques, mais c'est une nouvelle vie qu'un chrétien a reçue de Dieu, cette semence divine, cette régénération, la nouvelle naissance. C'est elle qui fait toute la différence. Et nous commençons à vivre une vie en accord avec Dieu à cause de ces changements de vie. Ce n'est pas parce que nous avons été placés dans un cercle de membres et que nous voulons nous conduire d'une autre manière, mais parce que nous recevons cette nouvelle vie et cette semence qui est dans notre intérieur. Quand elle grandit, elle nous conduit, elle nous amène à vivre en accord avec cette nouvelle vie qui est en nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi Pierre, au chapitre 1 de sa première épître, il dit, au verset 22, il dit que votre âme ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Notre changement de vie, elle arrive quand nous obéissons à la vérité. À l'obéissance à la vérité, cela fait toute la différence. Ce n'est pas un changement de comportement extérieur, mais par notre obéissance à la vérité, la parole de vie que nous recevons dans la vie de l'Église, au travers de la circulation de la vie et de l'immersion de la parole, nous voyons nos adolescents qui font des transcriptions de la parole, ils font le dehors avec Dieu, ils émergent toute leur vie dans la parole et cela fait en sorte que nous connaissons la vérité et cette obéissance à la vérité change notre vie. Cette obéissance à la vérité fait en sorte que cette nouvelle vie que nous avons reçue, qui est la vie éternelle, elle commence à diriger, à commander notre vie
Le premier signe, le résultat de vivre par cette vie, de vivre à l'obéissance à la parole, et cela me conduit à aimer mes frères et à nous aimer les uns les autres. C'est un signe très fort du résultat de celui qui obéit à la parole, de nous aimer ardemment, les uns les autres, d'un amour qui n'est pas faux. Et au verset 23 nous dit, puisque vous avez été régénérés, régénérés ici veut dire naître de nouveau, nous avons reçu une nouvelle vie par la nouvelle naissance, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Très bien. Et pour gagner un peu du temps, je vais directement. Je vais partir au chapitre 2 du thème passé, chapitre 2, verset 11. Soit, je vous exhorte comme des pèlerins de vous abstenir des passions qui font la guerre contre votre âme. Maintenez votre procédance au milieu des gentils, de ceux qui parlent contre vous, des malfaiteurs, et de croître, de faire en sorte que Dieu fasse sa volonté, établir le royaume de Christ ici sur terre au travers de la semence dans nos cœurs. L'ennemi de Dieu, le diable, il sait cela. Il dispute dans notre cœur. Il occupe avec quoi? Il occupe avec l'arme qu'il a pour occuper nos cœurs, c'est le monde. Et nous avons cela dans 1 Jean chapitre 2, regardons. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous avez compris? Et l'amour de Dieu ne peut pas être là-bas. Le cœur ne peut pas être occupé par deux choses. Ou par le monde, ou par l'amour du Père. Mes frères, c'est vous qui choisissez. Cependant, l'ennemi de Dieu, il est subtil. Le monde occupe votre cœur. Au verset 16, tout ce qui est dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde veut occuper votre cœur. Et tous les autres départements. Mais si vous êtes de celui qui aimait la convoitise de la chair, par la sensualité, par la prostitution, par le désir charnel,
Alors le monde a un département vous offre et vous occupez toute votre vie dans ce département. Mais vous êtes raffiné. Si vous êtes un peu raffiné, mais Satan sait que vous pouvez être que vous pouvez tomber dans son piège de la vanité de la chair. Alors la publicité de ce monde au travers des effets visuels, tous les effets visuels, c'est pour attirer votre attention et vos yeux. Et vos yeux est une porte ouverte pour la convoitise des yeux. Une belle voiture attirante, les femmes, la mode, les cosmétiques, l'esthétique, peu importe. Et tous ces besoins, l'anxiété, la responsabilité de votre vie quotidienne il veut que vous occupez vos cœurs avec ces choses du monde. Alors c'est mais vous vivez une vie remplie d'arrogance, mais ça ne vous mène à rien parce que tout ça finit. Alors, mes frères, ce que le monde essaye de faire avec votre âme, c'est de vous montrer que le monde vous offre tout ce dont votre âme a besoin pour vous satisfaire. C'est comme ça que le monde vous trompe. C'est une illusion. Et vous courez derrière quelque chose, vous courez après une chose, vous courez après la troisième chose. Toute la vie, vous courez derrière le monde, derrière ces choses, derrière tout ce que le monde peut vous offrir, et à la fin, vous n'êtes pas satisfait. Frère, la seule chose qui nous satisfait, c'est la parole de Dieu. C'est encore la parole de Dieu. C'est pourquoi le monde passe ainsi que sa convoitise, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, avant d'entrer dans la vie conjugale, le principe est le même. À la fin, nous avons dit comment nous pouvons vivre, accomplir notre devoir comme des citoyens, notre vie sociale, nous soumettons aux institutions humaines et que Dieu a permis que cela puisse être institué. Et aujourd'hui, c'est le jour des élections municipales. Alors, ce qui a été institué, nous sommes assujettis. Mais tout cela, mes frères, est vivre une vie des serviteurs du Seigneur. Et dans ce contexte, je vais utiliser l'immersion d'aujourd'hui pour introduire le message d'aujourd'hui. Le message de la semaine passée, quand nous arrivons le dimanche, nous dit ceci, que le plan de Dieu est donner la vie éternelle à l'homme par l'intermédiaire de l'esprit humain et de nourrir ainsi son âme en satisfaisant tous les besoins de son être tripartite. Seul Dieu, par sa parole, est en mesure de satisfaire l'homme. L'ennemi de Dieu, il veut occuper votre cœur
Levez-vous tromper avec les choses du monde en vous offrant les convoitises, les tromperies, il veut vous montrer que vous pouvez être satisfait des choses de ce monde. Mais rien dans ce monde, rien ne peut nous satisfaire. Vous pouvez voir que dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon, il a dit qu'il a tout essayé, tout type de plaisir que le monde peut offrir à l'homme. À la fin, il est arrivé à la conclusion que tout est vanité. Tout n'est que vanité. Tout qui est sous le ciel, sous le soleil, il n'y a aucune nouveauté. C'est vide, cette recherche pour la satisfaction de notre âme. Seul Dieu peut nous satisfaire. Et le point 2, sans le soin de Dieu, l'âme de l'homme est celle qui souffre le plus. La lutte pour la survie, les pressions psychologiques pour joindre les deux bouts, les responsabilités sociales et familiales font que les hommes succombent et vivent comme des brebis sans berger. Dans cette recherche insistante pour la satisfaction de l'âme, du besoin, à la fin, l'homme n'est que fatigué. Il est fatigué, il n'arrive pas à atteindre la satisfaction de son âme. Le point 3 nous dit, la vie humaine est comme l'herbe fragile et éphémère. Nous devons vivre pour ce qui est éternel, en nous nourrissant de la parole. La satisfaction que nous retirons de sa fourniture est éternelle. La parole prophétique qui nous atteint chaque jour, et ce qui nous approvisionnera. Ce qui va nous approvisionner, c'est la parole. Vous pouvez faire des tours et des tours, mais à la fin, vous arriverez à cette vérité. Vous pouvez chercher de la satisfaction dans des choses de ce monde, mais rien ne pourra vous satisfaire. Seule la parole de Dieu, qui nous dit qu'il parle tous les jours à son Église, celle-ci, elle nous satisfait. Elle satisfait notre âme. Nous allons entrer au chapitre 3. Je vais aborder le verset 1 jusqu'au 12. 1 Pierre. Commençons. Le contexte commence en vérité. Premier épître de Pierre, chapitre 3. Et là où Pierre, il exhorte les pèlerins d'avoir une vie exemplaire là où ils vivaient. Les frères, ceux qui n'ont pas suivi cette série de Pierre, il a écrit aux Juifs, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui étaient hors de la Judée, qui étaient éparpillés dans les nations. Et Pierre a dit à ses frères juifs, qui sont des pèlerins étrangers dans des nations étrangères, mais qu'ils devaient avoir une conduite exemplaire au milieu du peuple dans lequel ils vivaient. Et en ce qui concerne aussi le mariage, c'est un processus aussi qui nous montre que vous vivez par la vie de Dieu, ou si vous vivez non par la vie de Dieu. Il nous dit ceci. Chapitre 3, verset 1 nous dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Et je vais attirer l'attention ici. Si votre mari n'obéit pas encore à la parole,
Prêtez attention. Cela, qu'est-ce que cela veut dire? L'épouse obéit à la parole. Je suis d'accord. Si votre mari ne croit pas au Seigneur Jésus et il n'obéit pas encore à la parole, qu'il soit gagné à cause de votre comportement. Ici, on nous montre que l'épouse est celle qui a cru au Seigneur. Non seulement elle a cru au Seigneur, mais elle obéit à la parole. Et cela est très important de mentionner. Pourquoi? Voyons dans ce contexte. Dans 1 Pierre, chapitre 1 Pierre 22, je vous ai lu, j'ai attiré votre attention, qu'il a purifié votre âme par votre obéissance à la vérité. Et ce qui fait en sorte que vous ayez une bonne conduite exemplaire au milieu des gens, c'est votre obéissance à la vérité. Sinon, vous serez comme un incrédule, un païen. Ça n'aurait pas de différence, même si vous avez cru dans le Seigneur. Mais si vous n'obéissez pas à la vérité, si vous n'obéissez pas à la parole, votre vie, elle est comme la vie de n'importe qui. Alors, ce qui fait la différence de notre vie, ce qui fait en sorte que notre vie soit différente des autres personnes, c'est parce que nous avons l'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi ne pas donner l'obéissance à la parole? Au verset 23, celui qui n'obéit pas à la vérité n'a pas été régénéré d'une semence incorruptible devant la parole de Dieu qui est vie et qui demeure. C'est la parole de vie, la semence incorruptible qui a été plantée dans notre cœur. La parole que nous avons entendue, nous obéissons à la parole, à la vérité et à l'obéissance à cette vérité, cette parole. Cela me conduit... m'amène à voir une conduite exemplaire. Basée sur cela, je peux vous dire la soumission des femmes à leur mari est dans le même principe de notre suggestion. Soumission aux autorités établies. Nous devons être soumis aux institutions humaines. Un chrétien ne peut pas avoir une attitude de rébellion et promouvoir des rébellions. Vous ne devez pas avoir une attitude de rébellion. Et c'est pourquoi nous devons être soumis aux autorités qui sont établies. Et cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec eux. Non. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec cette direction. Mais nous ne devons pas avoir cette attitude de rébellion. Et ce même principe aussi s'applique dans le mariage. La femme, elle est soumise à son mari, même s'il n'est pas obéissant à la parole. Mais si elle obéit à la parole, et spécialement, quand dans le mariage, le mari conduit la vie conjugale contrairement à la direction du Seigneur, la femme peut, elle doit dire à ce mari-là qu'elle n'est pas d'accord avec la direction sans pour autant le déshonorer. Vous me comprenez la différence? Si votre mari veut vous conduire dans le péché, tu ne dois pas être d'accord avec lui. Tu dois lui dire que vous obéissez à la vérité,
Vous obéissez à la parole. Tu ne peux pas suivre la direction qu'il vous propose. La soumission, c'est une chose. Mais suivre la direction, c'est une autre chose. Pourquoi je vous dis cela? Malgré que le mariage unit deux personnes, mais quand le jugement de Dieu viendra et de Christ viendra sur nous, nous qui avons le Seigneur Jésus, chacun répondra sur son propre compte pour sa vie. 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu va juger chacun d'entre nous. Si votre mari vous conduit dans un mauvais chemin, vous ne devez pas le suivre. Parce que toi aussi, tu répondras individuellement devant le Seigneur pour ce que tu auras fait. Au verset 5 nous dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun recevra. Nous dit, 2 Corinthiens, chapitre 10, 5, dit que tous comparaîtront devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait par le moyen de son, au travers de son corps. Chacun va répondre pendant que ce corps était vivant. Vous avez compris? Chacun va répondre. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, mais mon mari, il m'a conduit au mauvais chemin. Le Seigneur vous dira, tu pourras répondre pour toi-même. Alors, n'ayez jamais une attitude de rébellion ou de déshonorer à votre mari. Mais vous pouvez lui dire clairement que vous n'êtes pas d'accord de la direction qu'il prend. Parce que vous répondrez pour vos actes devant le Seigneur. Alors cela aussi, Paul aussi, il dit dans 1 Corinthiens, dans ce même principe, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13, et la femme qui est mari incrédule, et s'il désire vivre avec elle, parce que le mari incrédule est sanctifié. Et si une femme a un mari non croyant qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. C'est dans ce même principe. Si l'un veut obéir à la vérité et l'autre ne veut pas recevoir, chacun individuellement doit se mettre devant ce que le Seigneur vous a appelé à répondre. Nous allons répondre au Seigneur. Mieux vaut répondre au Seigneur que commettre des erreurs à cause de l'influence du conjoint. Je pense que dans ce principe, nous devons être fermes dans la direction sûre et ne pas être conduits par une autre direction erronée. Vous n'êtes pas obligé de suivre un faux chemin, mais vous ne pouvez jamais utiliser ça dans le contexte que Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, pas dans ce prétexte. Vous suivez votre chemin,
Mais le Seigneur va vous honorer. Le Seigneur fait des miracles. Continuons. 1 Pierre chapitre 3, il est important de ne pas avoir l'apparence d'un bon comportement, mais avoir un procédé qui est honnête et rempli de crainte. Vivre sous la crainte de Dieu. Mieux vaut craindre. Mieux vaut. Nous devons vivre sous la crainte du Seigneur. Mieux vaut être désagréable aux hommes qu'à Dieu. Nous continuons. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ici, on nous dit, premièrement, je vous montrerai l'ordre que Dieu établit dans 1 Corinthiens 11. Dieu a établi cet ordre. Ce n'est pas nous qui allons briser cet ordre. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est l'ordre. Dieu est la tête de Christ et Christ est la tête de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Il y a cette séquence d'ordre. Elle fonctionne. Quand on ne brise pas le lien, c'est Dieu qui commande. Christ se soumet à Dieu. Et l'homme se soumet à Christ et à Dieu. Et la femme se soumet dans l'ordre de soumission à l'homme. Et c'est pourquoi au verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme ne peut pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme, elle est la gloire de l'homme. Au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et au verset 15, nous dit ceci. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La femme utilise un de longs cheveux que les hommes. Et comme ça, c'est la nature que Dieu a fait pour montrer la position de la femme. Pourquoi Pierre était préoccupé avec cela? Parce que dans l'Empire romain, c'était courant dans la société à l'époque. C'était une société remplie de luxe et de corruption. C'est une société corrompue. Les femmes, elles se vêtaient d'une manière extravagante avec de l'or, avec des cheveux tressés. Et des vêtements chers. Comme c'était une société de luxe, corruptible, les femmes faisaient de tout pour attirer l'attention avec leur sensualité et avec leur extravagance. Et ainsi était la société dans l'Empire romain. Les femmes doivent aujourd'hui, c'est le même principe qui s'applique, sans des ornements qui attirent l'attention, ni être esclaves du monde de la mode. Nous devons
Je ne dis pas qu'on doit vivre comme le siècle passé, mais on ne peut pas être aussi esclave de la mode. Il y a une mode qui sort, je vais déjà adhérer à cette mode. Habillez-vous bien, avec simplicité. Tu n'as pas besoin de suivre comme l'exemple du temple romain, parce que nous sommes dans ce monde de luxe. Oh, montrer votre sensualité pour attirer des gens. Ce n'est pas ça l'objectif. Il suffit de bien vous vêtir et d'une manière discrète. Pourquoi je dis ceci? Il y a un commentariste, Vincent, il dit que les cheveux à cette époque, les cheveux étaient teints. Ils avaient des ornements chers, avec des filets de fil d'or. Et les femmes portaient des faux cheveux et des perruques blondes. L'extravagance vestimentaire féminine au temps de l'Empire avait atteint un niveau alarmant. Quelle est l'histoire d'après Vincent? Vous pouvez confirmer cela. Que les femmes à cette époque-là, elles vivaient d'une manière exagérée. La vraie beauté est dans l'homme intérieur du cœur, avec la parure incorruptible d'un esprit doux et tranquille, qui a une grande valeur devant Dieu. C'est quoi l'homme intérieur du cœur? C'est quoi l'homme intérieur du cœur? C'est l'homme où son âme est dominée et gouvernée par l'esprit. Et l'esprit humain, la partie de la conscience qui contrôle son âme. Et c'est lui qui, ce qui habite dans l'esprit humain, c'est l'esprit de Dieu. Je dis l'homme intérieur, il est gouverné par Dieu. Il est gouverné par l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui commande notre âme. Si vous vivez sous cet ordre, votre homme intérieur, votre cœur est d'une grande valeur. Vous saurez comment vous comporter, vous saurez comment vous vêtir. Toutefois, que vous allez porter un vêtement, soyez-en sûr que cet homme intérieur qui est dans votre cœur, il vous dira comment vous vêtir et comment vous devez vous comporter. Vous n'avez pas besoin d'un consultant de mode pour vous dire comment vous vêtir. Vous avez un consultant dans votre intérieur, dans l'intérieur de vos cœurs, et vous parlera des ornements que vous devez, un esprit doux et tranquille. Et le meilleur ornement, c'est cet esprit doux et tranquille. Une saine et calme. Parce que vos émotions sont contrôlées par l'esprit. Alors, qui pèse cet esprit? Elle n'est pas éphémère, cette beauté intérieure. Elle n'est pas incorruptible. Mais elle est gouvernée par un esprit doux et tranquille. Ce qui montre aux gens, qui donne un sentiment de sérénité, de paix aux personnes qui l'entourent, a une grande valeur devant Dieu. Et Dieu aime ce genre de conduite. Au verset 5 et 6. Ainsi que paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
Nous voyons ici, auparavant, les femmes, les saintes femmes, elles avaient cet esprit doux. Nous voyons un exemple ici que Sarah, elle obéissait, elle était obéissante à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Comment les femmes hébreux sont devenues filles de Sarah? Parce que Abraham est devenu le père d'une grande nation. Vous comprenez? Alors Sarah, elle appelait, était soumise à Abraham et elle appelait son mari de Seigneur. Parce que Sarah, elle a vu chez Abraham l'appel du Seigneur. Parce que Sarah, elle savait qu'Abraham était appelé pour être le père d'une grande nation. Je vous dis, mes frères, je vous dis ceci. Si vous avez votre mari et votre mari a été appelé à servir le Seigneur, et je pense que nous tous qui sommes ici, qui servons le Seigneur, nous avons été appelés. Si vous avez remarqué, votre mari, il a un appel pour servir le Seigneur. Ne le retardez pas. Ne le frayez pas. Ne dites pas, tu dois avoir plus de temps avec moi et tu dois prendre soin des choses de la maison. Tu dépenses beaucoup de temps avec les choses du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Tu donnes beaucoup d'offrandes. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Parce que cela va ruiner votre vie conjugale. J'ai déjà vu beaucoup d'exemples dans le passé. Je n'ai pas vu peu d'exemples, mais beaucoup d'exemples. Des sœurs ont tenté de saisir leur mari quand ils étaient encouragés à servir le Seigneur. Elles ont essayé de le frayer. À la fin, le mariage est fini. Alors, si votre mari a cet appel, Sarah appelait Abraham de Seigneur parce qu'elle savait que le Seigneur avait une promesse dans sa vie. Alors, si votre mari a l'appel de Dieu et qu'il est utile, et tu coopères avec ton mari, tu participes aussi de cette œuvre. Tu participes de l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? Quand Abraham est devenu le père d'une grande nation, et Sarah est devenue aussi la mère de beaucoup de filles. Si elle était seulement, si elle s'opposait à tout moment, elle n'aurait pas participé de tous les fruits que Dieu a produit. Alors, mes frères, suivons cet exemple, Seigneur Jésus. Au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et je vais parler un peu plus ici. Mari et femme ont une vie domestique en commun, une vie quotidienne en commun. C'est différent de que vous viviez avec quelqu'un qui est loin ou bien qui, rarement, vous trouvez seulement au travail ou bien dans un environnement social. Tu peux avoir une relation merveilleuse avec quelqu'un qui est loin. Mais quand vous êtes quotidiennement sur le même toit, dans les choses communes du foyer,
C'est là où survient les conflits. Être comme des fiancés à distance, ça paraît bon. Mais quand vous êtes côte à côte, vous divisez la même cuisine, le même lit, le même salon. Tous les jours, vous vous retrouvez. C'est là où les difficultés surviennent. Et là, notre vrai visage est exposé. Et sans masque pour se cacher. Nous ne pouvons pas nous cacher. Nous sommes là, nous sommes exposés toute la journée. Et c'est là où se passent des grands conflits et des meilleures luttes. Et l'objectif de l'homme, il peut s'irriter plus dans ces conditions du quotidien. Il est plus impatient. N'est-ce pas? Et souvent, il ne supporte pas que la femme parle. Tu parles beaucoup. Tu as déjà répété, ça suffit. Ici, il faut avoir le discernement. Dit que Marie vivait la vie. Cette parole qui dit, Marie montrait à votre tour de la sagesse. Cela veut dire l'intelligence, la connaissance ou l'entendement. Tu dois chercher l'entendement. Tu dois savoir que cette vie du quotidien, c'est une vie qui pourra porter beaucoup de disputes, de conflits. Je ne sais pas si vous me saisissez. Une relation conjugale, elle ne survient pas, elle ne peut pas survivre seulement que des passions. Les passions, c'est cet amour de jeune adolescent. Ou quand vous êtes en train vous embourracher, quand vous traversez la rivière, comme j'ai traversé une fois l'inondation. Frère, mais une relation à deux, elle ne survit pas seulement des passions. Mais Dieu, celui qui crée cette passion au début pour qu'il y ait une attirance pour avoir une construction. La passion vient de Dieu quand deux personnes s'aiment. Mais c'est pour peu de temps. Cette passion, c'est pour débuter une relation plus sérieuse, plus solide. Et à partir de cette passion, vous avez besoin de commencer à construire quelque chose plus sérieux, plus solide sur cela. À partir de là, les conflits viennent, les disputes viennent, la vie quotidienne vient. Tu seras toujours avec cette personne. Et là, il y a beaucoup de séparations, beaucoup de problèmes qui surviennent. C'est pourquoi nous devons apprendre. Une relation doit être construite avec beaucoup de compréhension, renonce, patience et surtout avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est dans Éphésiens chapitre 5. Seigneur Jésus, je ne veux pas que vous voyez cela comme un conseil. Vous savez, le conseil, ça ne sert à rien. Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qui s'est donné lui-même pour elle. Alors le mari doit aimer son épouse, sa propre épouse. Éphésiens 5, 28, que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même, car jamais
Personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. L'homme et la femme doivent avoir la conscience qu'ils sont membres du même corps. N'êtes pas seulement mari et femme, vous êtes membres du même corps. Alors aimons. Vos maris doivent aimer sa femme comme il aime son propre corps. Et personne n'a jamais haï son propre corps. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais vous dire ceci. De la même manière que j'ai lu, que je viens de lire, l'immersion, ça sert aussi pour la vie conjugale. Si vous cherchez dans le mariage, dans la vie conjugale, une satisfaction pour votre âme, tu vas tomber dans la même condition de chercher la satisfaction dans le monde, avec les choses du monde. Pour satisfaire votre âme, vous n'allez pas l'obtenir, vous n'arriverez pas. Je me suis marié avec une belle femme, je me suis marié avec un bon mari, et je vais vivre avec cette personne, je vais l'aimer. Nous allons faire ceci, il va me satisfaire. On va vivre une vie de princesse et de prince. Ce besoin-là, cette satisfaction intérieure que vous avez rêvé toute la vie, vous voulez satisfaire quelque chose, vous voulez satisfaire votre âme. Si vous voyez le mariage de cette façon, vous allez vous déceptionner. De la même manière, que l'ennemi de Dieu, il tente faire vous conduire à avoir de la satisfaction dans le monde, de la même manière, dans le mariage. Si nous cherchons l'un à l'autre, la satisfaction, nous aurons toujours beaucoup d'exigences envers les autres, l'un envers l'autre. Quand mon désir n'est pas nourri, je vais toujours te culpabiliser parce qu'il ne répond pas à mes besoins. Il ne répond pas à mes satisfactions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si nous déposons notre espérance d'avoir du bonheur dans le mariage lui-même, vous serez dans la déception. Ainsi, comme l'amour vers le monde ou l'amour, que faire alors pour avoir une vraie satisfaction, un vrai plaisir? Je vais lire. J'ai lu avant. Je vais encore relire. De l'immersion, le point 1, le plan de Dieu est de donner la vie éternelle à l'homme par l'intermédiaire de l'esprit humain et de nourrir ainsi son âme en satisfaisant tous les besoins de son être. Ce n'est pas par vos désirs dans le mariage. Satisfaire à tous les besoins de votre être tripartite. Seul Dieu, par sa parole, est en mesure de satisfaire l'homme. Seul Dieu, avec sa parole, est capable de satisfaire l'homme. Alors ne cherchez pas la satisfaction humaine dans le mariage. Dieu qui va vous satisfaire par sa parole et aussi dans le mariage. Vous me comprenez? Et sans le soin de Dieu, l'âme de l'homme est celle qui souffre le plus. La lutte pour la survie, les pressions psychologiques pour joindre les deux bouts, répondre aux responsabilités sociales et familiales font que les hommes succombent et vivent comme de brebis sans berger. Nous avons besoin d'un berger, et ce berger, c'est prêtre, le berger de notre âme, c'est lui qui nous pétrit, c'est lui qui nous paie dans nos circonstances, le jour. Alors chercher du plaisir dans le mariage, c'est comme si on creusait un trou, mais nous devons chercher de la satisfaction dans la parole de Dieu. Alors, à quoi sert le mariage alors? C'est pourquoi il dit,
Marie aimait la vie du... Vivait la vie du mariage, cette vie du commun, avec montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Seigneur Jésus, n'est-ce pas mieux dans la recherche de la volonté de Dieu, vivre pour le Seigneur, dans cette vie chrétienne, dans cette vie de servir le Seigneur, n'est-ce pas mieux être à deux qu'être seul? C'est dans Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4. Verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand il y a quelque chose à faire, mari et femme, ils s'entraident, vous aurez un bon salaire. Si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Alors le mariage, c'est pour ça. Nous sommes des compagnons spirituels, les deux. Nous sommes des héritiers de la même grâce de la vie. Pour les dieux, les deux, hériter cette grâce de vie, n'est-ce pas mieux que l'un aide de l'autre? Alors, si votre mariage est tout simplement pour chercher la satisfaction l'un de l'autre et vivre dans les conflits et les perturbations, vous allez vous perturber. Alors, mieux vaut être seul. Comme tu es marié, alors cherche à changer cette vie. Ne vis pas dans le conflit l'un avec l'autre. Cherchons à être compagnons spirituels. Parce que vous deux, vous êtes, n'est-ce pas? Vous êtes des héritiers de la même grâce de vie. C'est pourquoi, si l'un tombe, l'autre peut le relever. Si tu es découragé, ton conjoint t'aide. Vous vous encouragez. C'est pourquoi. C'est à quoi sert le mariage? C'est pour ça que le mariage est valable. D'être fécond, de vous multiplier aussi, remplir la terre. C'est l'ordre du Seigneur qu'il a donné à l'homme. Au verset 11. Si deux dorment ensemble, ils auront chaud. Mais c'est lui qui est seul. Avant, ils ne pouvaient pas s'échauffer. L'hiver était... On ne pouvait pas se réchauffer. Alors, mieux vaut être... Au verset 12, nous dit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Si Satan attaque un, alors ton conjoint qui est là pour vous aider. Pourquoi est cette corde à trois fils? Vous êtes deux, n'est-ce pas? Parce que le troisième, c'est le Seigneur. Vous comprenez? Si les deux cherchent cet héritier de la même grâce de vie, il y a le Seigneur qui est présent dans le mariage. Il est présent dans votre mariage. Cette corde ne peut pas se rompre avec facilité. C'est pour ça que le mariage est valable. Alors, celui qui est marié, je vous dis, frère, ne vous exigez pas les uns des autres en cherchant des satisfactions, sinon vous serez affligés et perturbés dans les conflits. Mais, qu'allons-nous faire alors?
Entraînons-nous. Faisons l'immersion ensemble. Servons le Seigneur. Sortons avec les adolescents. Pour faire le viens et vois. Et le comportage. Prenez soin des groupes familiales toute la journée dans la parole du Seigneur. Et celle-ci est la meilleure vie. Et l'un peut aider l'autre à suivre dans ce chemin d'une manière harmonieuse et merveilleuse. Et par rapport au mari, il doit traiter son épouse comme un vase plus fin. Nous sommes tous des vases créés par Dieu. C'est dans le livre de Romains. Nous sommes des vases. Mais Dieu a créé la femme comme un vase plus fragile physiquement et aussi émotionnellement. Frère, le mari a besoin. Ne maltraitez pas. Ne maltraitez pas. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas si je veux arriver à lire. Et Paul, il dit dans Colossiens 3, 19. Marie, aimez votre épouse, mais ne la traitez pas avec amertume. Malheureusement, certains maris traitent leur épouse comme avec des amertumes parce qu'elles sont plus faibles. Et où elle est dépendante de vous financièrement. Elle n'a pas une autre sortie de vie, une autre alternative. Et vous savez qu'elle est là. Et elle devient votre servante. Et vous la traitez avec... Ce n'est pas bien, frère, parmi nous. Apprenons à traiter... Traitez vos épouses avec dignité. Un être humain, tu ne peux pas enlever la dignité d'un être humain. Même qu'elle soit simple, qu'elle soit humble, elle doit être traitée avec dignité. La dignité, on ne peut pas l'enlever d'un être humain. Nous devons traiter n'importe qui avec dignité. Donnez votre dignité. Encore notre femme. Ne la traitez pas comme votre bonne, mais la traitez avec dignité, comme un vase plus faible. Et ayez une grande considération pour elle. Traitez-la avec une grande considération. Parce que, ensemble, nous sommes des héritiers du même héritage. Et quel est cet héritage de vie? Quel est cet héritage de la grâce de la vie? Et Pierre dit, au chapitre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Ça, c'est l'héritage de la vie. Quel est cet héritage? C'est le salut complet. Et le salut complet nous rend héritiers de Dieu. Nous allons hériter toutes ces choses. Tout ce qui appartient à Dieu va nous appartenir. Nous devenons co-héritiers avec Christ. C'est dans Romains, chapitre 8. Romains 8. Seigneur Jésus. Dans Romains, chapitre... Romains 8, 16. 17, pardon. Si nous sommes héritiers, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Héritiers. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et
co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ça, c'est la promesse de l'héritage, de la même grâce de la vie. Nous allons hériter tout ce que Dieu a, qu'il possède, toute la terre, tout ce que Christ héritera. Nous sommes ses co-héritiers. Et mieux encore, vous pouvez assumer cet héritage dans la manifestation du royaume du ciel au millénaire. Vous pouvez être vainqueur. C'est pourquoi je vous encourage. J'encourage les couples. Ne vivez plus en guerre, mais vivez en paix. Vivons l'un respectant l'autre, en vous regardant comme le membre de Christ, pour qu'ensemble vous luttiez pour cet héritage. Luttons ensemble pour croître en vie, ensemble, vers l'immersion de la parole. Cette parole, qu'elle puisse circuler, nous faire grandir, et que nous soyons des vainqueurs. Quand le Seigneur viendra, nous serons des vainqueurs. Demain, nous irons en Afrique du Sud. Notre allée en Afrique du Sud, la conférence en Afrique du Sud, sera vraiment quelque chose qui va marquer, qui va initier la façon de compter. Le retour du Seigneur est proche. Alors, profitons ceux qui sont mariés, unissez-vous. Vivez une vie harmonieuse. Considérez-vous les uns, honorez-vous, pour qu'ensemble, vous cherchiez cette vie de la circulation de la parole. Servons le Seigneur ensemble et soyons des vainqueurs. Quand le Seigneur viendra, nous allons régner avec le Seigneur durant 1000 ans. Cet encouragement, c'est ce que Pierre veut nous donner. Et pourquoi, mes frères, continuons. Je vais terminer ici, au verset 8. Finalmente, sede todos de bom ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Au verset 8, soyez animés des mêmes pensées, une même pensée, une même âme, ayez la même façon de penser, pas seulement entre le couple, vous êtes mariés, mais ayons un compagnon de lutte, un compagnon de la vie spirituelle. Nous avons parmi nous le même sentiment, la même manière de penser. Compatissons-nous fraternellement, soyons des amis, compatissons une vie de compassion, d'humilité. Ce n'est pas cette vie des yeux ouverts après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, les yeux sont ouverts, vous voyez les défauts, vous critiquez, vous parlez mal l'un de l'autre. Vivons par l'art de vie, avec sympathie, avec empathie, moment difficile qu'il traverse, tu sais ce qu'il traverse et tu l'encourages. C'est ce que nous devons lutter ensemble, même si vous êtes mariés, mari et femme, vous devez être des compagnons de lutte, n'est-ce pas? L'un encourageant l'autre, compatissant l'un envers l'autre, fraternellement, les amis,
Cela signifie l'amour fraternel, en vous aimant comme des frères. Aimons-nous les uns les autres comme des frères. Et humble, éduqué, amable, ne pas payer le, rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelé, afin de. Mais afin, bénissez-vous toujours. Laissons toujours sortir des bénédictions, toujours des bonnes paroles. Bénissez toujours. Pas en maudissant. Utilisons aussi ce que Paul dit dans Philippiens. Philippiens 2, cette vie que Dieu désire. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. Et s'il y a une exhortation en Christ ou une consolation, c'est donc s'il y a quelque consolagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ça c'est la compassion. Christ s'est compati de la foule. Il a eu compassion de cette foule qui était comme des brebis sans berger, affligées. Cette compassion que les comporteurs ils ont, qu'ils sortent dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume. Et nous devons aussi utiliser cette compassion ici à l'église, les uns envers les autres. Ne jamais pointer du doigt. Vous jugez jamais, vous critiquant en parlant mal les uns des autres. Ayons cette compassion d'être dans la vie divine qui est dans notre intérieur. Paul dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous pensions la même chose? Exactement. La même parole que je me nourris. La même parole que je fais l'immersion. Toi aussi, tu fais l'immersion dans cette parole. Et cette même parole, elle fera que nous pensions la même chose. Pas seulement ici, à São Paulo. Nous allons penser la même chose avec les frères en Colombie. Avec les frères qui sont de l'Équateur qui sont ici. Nous aurons la même pensée avec les frères qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord. Comment avoir cette même pensée? Si nous ne parlons pas tous la même langue, nous n'avons pas la même culture, qu'est-ce qui nous conduit à penser de la même manière? C'est la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu. Et complétez, rendez ma joie parfaite, ayez le même sentiment, le même amour. Ce n'est pas cet amour partiel, j'aime plus celui-ci que celle-là. L'amour de Dieu nous unit impartiellement. Un même amour, soyez unis, une même âme. Nous sommes animés d'une même âme. Ayez le même sentiment, une même pensée. Que nous soyons comme un corps de Christ. Nous ne sommes pas des individus que chacun pense, mais nous vivons comme un corps. Et aujourd'hui, le Seigneur a la liberté d'utiliser ce corps, parce que ce corps, il pense la même chose, a le même sentiment, il a le même amour, il est uni en âme, dans son âme. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Dans la King James actualisée, nous dit, il dit que ne faites rien par rivalité ou par vanité. Rivalité, c'est en vous rivalisant les uns envers les autres. Ici, nous n'avons pas de rivaux. Dans la vie de l'Église, on n'a pas de rivalité. Dans le passé, peut-être qu'on a vu, on a peut-être vu ce genre de choses. Et dans votre mariage aussi, il ne doit pas avoir de rivalité. En aucun moment, le mari ne peut être le rival de son épouse. Vous êtes dans le même corps. Alors qu'il n'y ait pas de vanité. De vanité, c'est juste par la vanité, je peux préjudicier le corps de Christ.
Mais considérez-vous avec humilité, vous considérez supérieur à vous-même. Et cela vaut aussi pour le mariage. Votre conjoint, souvent il pense qu'il est supérieur. Si vous pensez que vous êtes supérieur à l'autre, vous aurez des problèmes. Même dans la vie normale de l'Église, considérons l'autre supérieur à vous. Que vous n'agissez pas avec arrogance. Je n'ai pas besoin de son aide. Nous sommes le membre du même corps. Nous avons besoin, oui, l'un de l'autre. Et que chacun ne puisse pas avoir. N'y est pas. Préoccupons-nous les uns avec les autres. Nous ne sommes pas des égoïstes. Comme dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Et dans la vie de l'Église, nous avons cette semence incorruptible qui nous font vivre. Devons nous préoccuper les uns avec les autres. Toujours, bénissons toujours dans toutes les situations pour que nous recevons la bénédiction comme héritage. Celui qui bénit toujours recevra la bénédiction, vous le savez. Et celui qui maudit toujours, tu parles mal des autres, tu recevras que la malédiction. C'est un principe. Bénissons toujours. Bénissons toujours. 1 Thessaloniciens 15, regardons. 1 Thessaloniciens 5, 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Suivons toujours le bien. Et poursuivons toujours le bien, soit entre nous, soit envers tous. Toujours s'aimer. La semence de la bénédiction de la parole du Seigneur, c'est lui qui bénit. Voyons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Dieu nous a introduit dans le royaume des cieux parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous donner la bénédiction. Matthieu chapitre 5. Et le royaume des cieux est fait par ces bienfaisances. Au verset 3, à partir du verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Grâce à Dieu, finalement le Seigneur, il a trouvé le repos dans votre maison. Il se sent à l'aise. Comment on se sent à l'aise? Parce qu'il a trouvé des gens qui sont pauvres en esprit, humbles en esprit. Pourquoi je dis cela? Ésaïe 66, 1 et 2. J'ai parlé la semaine passée. Ça vaut la peine de répéter. Ésaïe 66. Ainsi dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourra-vous me bâtir? Nous qui édifions la maison de Dieu. Mais Dieu dit, je n'habite pas dans une maison édifiée par les mains humaines. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison Dieu veut? Vous savez quelle est cette maison? Quelle est cette maison? Vous voyez, quand une personne, vous avez un ami qui est riche, il a tout. Vous allez lui acheter, tu ne sais même pas quoi lui acheter. Il a tout. Alors, quelle maison pourrions-nous lui donner? Quelle maison allons-nous lui donner? Cette mansion. Cette grande. Le Seigneur n'habite pas dans les maisons. Ces maisons. Il veut une maison. Mais quelle maison? De quelle manière? Au verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence. Alors si je voudrais une maison, je vais la construire. C'est moi qui ai créé tout cela. Mais
Dieu nous a ouvert son cœur. Mais l'homme, voici sur qui je porterai mes regards, celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Et sur celui qui craint ma parole. Dieu veut ces cœurs des hommes pour faire son habitation. Dieu veut habiter parmi eux. Ceux qui ont un esprit pauvre, un esprit abattu, un esprit qui souffre. C'est quoi un esprit qui souffre et un esprit abattu? C'est un esprit de quelqu'un, un pauvre qui a besoin du Seigneur. Il n'a rien qu'il puisse dire, ah ça je vais te donner ceci Seigneur. Ce matin j'ai pensé à cela. Vous vous souvenez? Quand Dieu a demandé à Samuel de oindre Saül comme le premier roi d'Israël. Et Dieu lui a dit, le premier objectif, c'était d'éliminer, la première tâche, c'était d'enlever, c'est dépouiller Amalek, c'est de l'enlever, de tuer et de les exterminer de la face de la terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa première tâche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préservé la vie du roi. Il a préservé le meilleur du bétail, des animaux pour le sacrifice, pour les bonnes choses. Et il a détruit les autres. Alors le Seigneur dit, j'ai du plaisir. Est-ce que je prends du plaisir au sacrifice de l'Holocauste? À celui qui craint ma parole. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, il y avait quelqu'un qui n'avait pas un esprit pauvre. Son esprit n'était pas affligé ni abattu. Mais il avait un esprit de quelqu'un qui savait quoi faire. Je ne vais pas suivre la parole du Seigneur. Moi, je vais épargner Agag parce qu'il pourra me donner quelque chose après. Il pourra m'aider après. Je vais épargner le meilleur troupeau parce qu'il va être aussi utile. Mais Dieu n'a pas dit ça. Alors qu'il n'est pas pauvre d'esprit, n'obéit pas à la parole du Seigneur dans son intégralité. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de ceux qui sont pauvres en esprit. Affligés et abattus d'esprit. Il n'a rien pour dire, Seigneur, je ne veux pas faire ta volonté, parce que ma manière est la meilleure, il n'a pas ça dans son intérieur. Il est juste, il est vide, il est assoiffé pour recevoir, il est assoiffé pour recevoir la parole. Un esprit abattu, pauvre, et qui craint sa parole, qui aime la parole, qui a l'amour, a la révérence à la parole du Seigneur. C'est pourquoi heureux, les humbles, parce que le royaume des cieux est à eux. Les personnes comme Saül, qui pensaient qu'ils étaient sages, qui se pensent pour aider Dieu dans son œuvre, ils ne feront pas part du royaume des cieux. Dieu veut habiter au milieu de ceux qui sont pauvres en esprit. Dieu se sent à l'aise. Il ne trouve pas dans nos opinions une opinion meilleure que la sienne. Dieu se sent à l'aise au milieu de nous. Celle-ci est la maison de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent, qui regardent la situation de ce monde, des gens qui sont usurpés. Le monde est usurpé par Satan et les gens sont affligés comme des brebis sans berger. Les gens qui pleurent, ils seront consolés. Et nous voyons beaucoup de gens qui sont dans les rues, qui sont atteints par ceux qui sont saisis par ceux qui pleurent. Heureux, parce qu'ils hériteront. Heureux les
des bonheurs, car ils hériteront la terre. Mais ce n'est pas la douceur. Nous hériterons la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice arrive quand nous pratiquons la parole. Quand le Seigneur nous utilise, quand nous faisons l'immersion dans la parole, et comme réponse, nous pratiquons la justice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Même les miséricordieux, ceux qui sortent pour aimer les amener les gens, pour nourrir les gens dans les rues, prendre soin d'eux, ils pratiquent la miséricorde. L'un envers l'autre, eux aussi, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons avoir un cœur pur. Mais nous ne cherchons pas des intérêts ici à l'Église ou dans l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes pas ici avec l'impureté dans notre cœur, mais nous sommes là, nous purifions nos cœurs, notre foi. Il y a de la valeur dans notre foi quand nous traversons par une purification, par une épreuve. Et nos cœurs, ceux qui sont purs de cœur verront Dieu. Si vous voulez voir Dieu, alors ayez un cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ne causent que des intrigues. Ils aiment des intrigues. Et qui causent aussi des conflits. Ils aiment provoquer, faire des conflits les uns envers les autres. Ils critiquent un frère à l'autre frère. Ils cherchent des inimitiés. Ici, à l'église, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes de ceux qui... Nous apportons la paix. Nous apportons la paix. Nous amenons l'immersion dans la parole. Quand nous arrivons de faire le viens et voir dans les quartiers, nous entrons dans une maison, nous faisons de cette maison un lieu de la réunion. Et qu'est-ce que nous amenons dans cette maison? C'est la paix. Nous amenons la paix. Nous apportons la paix dans ce quartier. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira... Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et je vais vous parler... Je vais parler de l'Apocalypse 12 en Afrique du Sud. La vision de l'Apocalypse 12 nous montre que Satan est furieux avec cet enfant mâle qui doit naître. L'enfant mâle, ce n'est pas ces chrétiens. Comme ce n'étaient pas des chrétiens. Mais ce sont ceux qui luttent. Ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui aiment le royaume du Seigneur. Mais ceux-là, ils sont à l'abri, ils sont à la colère. L'ennemi est en colère contre eux. Alors, il est en colère envers la femme parce que cet enfant mâle va naître. Alors, il ne veut pas voir ceux qui luttent pour le royaume. Les comporteurs qui sont dans les rues, qui font du comportage, pour prêcher l'évangile du royaume. Les frères et les sœurs qui coopèrent avec les adolescents, les jeunes, les intendants. Et vous consolidez, vous multipliez le nombre de gens dans l'église. Nous sommes la proie de l'ennemi. Mais heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réellement, l'Ancien Testament, le peuple juif, ils ont tué beaucoup de prophètes, et ces prophètes étaient ceux qui amenaient la gouvernance de Dieu. Et le mais aujourd'hui, nous sommes ceux qui aiment la gouvernance de Dieu, le gouvernement de Dieu.
Notre récompense est grande. Si nous traversons les souffrances par les persécutions du diable. Heureux. Alors, bienheureux. Je vais lire. J'ai lu le verset 11, non. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Le verset 10 et 11. Seigneur Jésus. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Ne choisissons jamais le mal, choisissons toujours le bien. Ô peuple de Dieu, avant de rentrer dans la terre, la bonne terre de Canaan, Dieu les a placés devant le mont Rézin. C'était la montagne de la bénédiction et la montagne des balles, c'était de la montagne de la malédiction et du mal. Choisissons toujours la bénédiction. Si vous, frère, vous aimez voir des jours heureux, alors freinez votre langue. Quelle est la meilleure manière de freiner votre langue? Toute la journée, vous êtes dans l'immersion. Et quand vous ouvrez votre bouche, il y a que la bénédiction. Vous avez le point 1, le 22, le point 2, le point 3, tout c'est la bénédiction, le point 4. Et aujourd'hui, nous avons aussi tous ces points d'immersion, ce sont des bénédictions. Et quand nous ouvrons notre bouche, nous apportons la bénédiction. Alors, freinons notre bouche du mal. Je vais lire dans Jacques, chapitre 3, verset 2. Car tous, voyons ce que Jacques dit, que c'est lui qui ne tombe pas dans sa... C'est un homme parfait. Mais comment ne pas tomber? Quand tu parles beaucoup, un jour tu vas tomber dans ce que tu dis. Alors remplissez votre parole de la parole de Dieu. En faisant l'immersion, la transcription, prendre des notes. Dormez avec Dieu, rêvez avec Dieu. Toute la journée, vous êtes dans la parole du Seigneur. Vous ne parlerez pas de malédiction. Au verset 3, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent de vents impétueux sont dirigés par des très petits gouvernails au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Seigneur Jésus, au verset 8, nous dit de Jacques, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Seigneur, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Frères, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues?
De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Dans 1 Pierre 3, quand nous étions en grec, il dit que dépouillez-vous du mal pour se détourner du cours. Alors inclinez votre corps qu'il parte de l'autre côté. Alors les yeux de l'Éternel, mais ses yeux sont ouverts. Parce que la face du Seigneur est contre ceux qui pratiquent le mal. Quelle est la manière de frayer notre langue? C'est difficile de l'adopter. Alors, remplissons-nous de la parole du Seigneur. Quand vous inculquez la parole dans votre cœur, la bouche parle de ce que le cœur est rempli. Si votre cœur est rempli de la parole du Seigneur, quand vous ouvrez la bouche, il n'y a que la parole qui sortira pour bénir les autres personnes. Et à la fin, le dernier verset, parce que les yeux de l'Éternel, mais le visage du Seigneur est contre ceux qui pratiquent le mal. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la face du Seigneur? Vous avez la face, si vous arrivez à voir la face du Seigneur, c'est parce que la présence du Seigneur est avec vous. La pire des choses, c'est de vivre une vie chrétienne et servir le Seigneur sans la présence du Seigneur. Vous avez déjà eu cette expérience, vous faites une prière, vous priez, c'est comme si le Seigneur ne vous regardait pas. Vous cherchez le Seigneur, mais vous ne le trouvez pas. C'est la pire des sensations pour un chrétien. Tu fais tout, mais c'est comme si le Seigneur n'était pas présent. C'est comme si son visage n'était pas tourné vers vous. Alors, la chose la plus précieuse pour un chrétien, c'est la présence du Seigneur. Et c'est pourquoi dans Exode 3, quand Moïse il a prié le Seigneur, je n'irai pas. Je ne conduirai pas le peuple. Le Seigneur a dit que j'enverrai un ange. Il a dit, je n'irai pas. Il a dit, je n'irai pas. Alors le Seigneur lui a promis, ma présence ira avec toi. Et je te donnerai du repos. La chose la plus précieuse dans le Seigneur. Je ne veux pas vivre sur cette terre si le Seigneur n'est pas là avec moi. Je ne veux pas le servir s'il n'est pas dans l'œuvre où je sers. Le Seigneur doit être présent. Et comment le Seigneur doit être présent dans tout ce que je fais? C'est dans la parole. C'est pourquoi j'ai besoin d'inculquer mon cœur à cette parole vivante. Cette parole, ce n'est pas la parole de la doctrine, c'est une parole vivante. C'est la parole qui a la présence du Seigneur. Alors, je me sens en sérénité. Et la parole nous dit d'être confiant dans la parole du Seigneur. Je veux vivre toujours confiant. Et cette confiance vient d'où? Elle vient de la présence du Seigneur. Quand le Seigneur est avec moi, je suis confiant. Quand il n'est pas présent avec moi, je peux faire ce que je veux. Mais je me sens tellement mal. C'est pourquoi, grâce au Seigneur, quand nous prions, le Seigneur l'écoute parce que nous avons sa présence. Le visage du Seigneur, sa face est avec nous. Amen. C'est ce que je devais vous parler. Jésus est le Seigneur.